Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers avec la Compagnie des Cygnes. On se retrouve donc pour la suite de notre petite aventure. On avait malheureusement eu quelques pertes face à des morts-vivants, mais on allait s'en relever. On avait donc maintenant qui nous rejoignent Ruffin le gratin dauphinois, qui prend sa place en première ligne avec sa lance. Et on a également Roland le Vengeur, successeur de Roland de Conteville, avec sa grosse hache et son chien de chasse, prêt à venger son illustre ancêtre de la manière qu'il sera nécessaire de le faire. Alors, on avait aussi un truc à utiliser là. J'aimerais bien utiliser ce truc-là, améliorer la durabilité d'une armure. Alors, on n'a que des armures à 110, on n'a rien d'autre, donc on va partir sur je pense améliorer une petite armure à 110. Ça fera toujours ça d'avantageux. Alors, donc il y a une amélioration d'armure qui est attachée, qui peut être remplacée mais qui sera détruite dans le processus. Donc ça veut dire que c'est probablement un truc qu'on peut fabriquer avec les taxidermistes et tout. Il va falloir qu'on essaie de trouver comment on peut faire ça. Parce on a réussi à utiliser certains trucs mais pas tout. Donc nos objectifs, ça va être de revenir par là, je pense ici d'abord, ensuite ici pour pouvoir se refaire un gros stock de flèches, parce qu'on commence à être un peu en dèche mine de rien. Et après, si on pouvait vendre notre sel par là, ça pourrait être intéressant. Donc, la première étape déjà, c'est Rosanorf. On va retourner vers les coins qu'on connaît. Donc ici il n'y avait plus de quête, hein, c'était fini. Donc on va devoir faire un petit trajet, mais on a de la bouffe, on a de les sous, c'est pas trop un problème. J'ai repris un petit stack d'outils qui était pas très cher là, histoire de pouvoir réparer sur la route. On va voir si on trouve quelques brigands sur le chemin pour se venger, on en profitera. Tiens là, des brigands qui poursuivent des paysans. Vengeance! Donc on a quelques marksmen et des raiders hein, quand même. Et ils seront en train d'affronter des paysans, donc ça devrait aller. J'imagine que les paysans vont se faire défoncer. Des flèches qui volent. Ok, alors nous, de notre côté, on va avancer un petit peu là, voir comment ça se passe. Ok, ils sont quand même assez proches. Donc on va peut-être pouvoir même prendre un premier tir sur ce mec. Parfait. Cette arme va nous gêner un peu. Malheureusement. Tant pis, on va avancer jusque-là. On va bien sûr avancer nos mecs devant, hein. Ils sont là pour ça. Alors toi, t'as moyen d'aller jusque-là dans les fougères, parfait. Ici, on va mettre nos haches parce que c'est probablement là que les mecs vont charger en priorité. Là, on se place là. Et Monkey. L'ami Monkey, il va aller par là. On va voir s'il décide de venir vers nous ou pas. Ok, il se place pour se défendre. Pendant ce temps-là, ils vont continuer de harasser un peu les paysans. On devrait pouvoir les faire tomber, je pense, assez vite. Raté. Si on va recharger, peut-être essayer de se finir celui-là. Ah, pas tout à fait. Mais du coup, il est dans le mal. On va avancer doucement ici, agressivement. Je peux peut-être me mettre là et tenter un tir. 46% de chance, c'est pas dingue. On va avancer un peu, voir ce qui se passe. Ok, ici on a un paysan qui tente de se faire un raider à lui tout seul. Forcément, ça va être compliqué. Voilà. Il saigne et tout. Ok, donc là ça charge. Ah, je peux qu'avancer jusque-là et tirer, mais il va y avoir le mec devant. Peut-être falloir qu'on lui prenne Bull Haze à la Minosborn à un moment. Puisqu'ils veulent bien s'approcher, on va essayer de continuer à leur taper dessus. Tant qu'à faire. Que je peux charger? Je peux charger avec eux. C'est peut-être un peu risqué. On va plutôt continuer de cerner lui.
On se rate en plus, donc tant qu'à faire, hein, autant y aller doucement. On va attendre de voir comment ça se passe. Ici, on lui rajoute encore un petit peu de pression, même si on peut pas taper. Pareil, là, on va venir ramener un peu de morale. Je pense qu'on va commencer à se prendre. Ils ont pas pu recharger encore, donc... Tant qu'ils dépensent du mouvement pour reculer, ils ne rechargent pas. Ici, parfait. On va se débarrasser de lui. Et on va essayer de garder son armure. Bon, visiblement, il recule. On va avancer un mec pour voir qu'il a du moral. Ah, il y a encore du tireur derrière. Donc on sait plus trop combien il reste de paysans, mais à mon avis pas des masses. Hein. Toi tu vas attendre qu'il y ait de la place pour avancer. Toi tu vas aller jusqu'ici, dans tes petits fougères. On va pas trop avancer. Pareil là, on va avancer d'une case après avoir rechargé. Bon, il va être temps d'y aller. Oula, on a un mec avec un gros fléau, il va falloir qu'on fasse une ligne. On va donc s'occuper de ça ici, je pense. Toi, tu vas aller par ici. Et tu vas attendre pour l'instant. Ok, donc là, ils ont terminé tous les derniers paysans. Il ne reste donc plus que nous à gérer. Donc ils vont venir. On va s'y préparer. Hop. Faire un petit mur de pique par là, histoire d'éviter qu'il fasse trop le tour. Monkey, tu vas venir par ici. On va encaisser des tirs, hein, là. Ils sont quand même assez nombreux en niveau tir en face. Et ils font leur propre mur de pique. Très très bien. Alors là, est-ce que je peux tirer? Non. Donc on va avancer d'une case, tant pis. Nosborne, pour l'instant, va rien faire. Lui a l'air d'être un peu en stress, il s'enfuit. Ah, ici on prend des haches de lancer. Alors lui me fait flipper avec son gros truc, son gros fléau là. Essayer de lui mettre une petite flèche, raté. Ici... Ouais, il n'y a personne qui est à portée. Si j'avance d'une case... Il y a lui avec 54% de chance, ça se tente, parfait, on avance encore un coup. Et encore un coup, pour avoir un peu de vision dégagée. Toujours Kiridri qui prend les coups. Hein. Alors lui il y a un mur de pique, attention, du coup ça pourrait être intéressant d'aller par là, parce qu'au final il n'y a quasiment plus que des tireurs. Hein, donc on a des raisons d'être agressif. Ici on va faire un petit mur de pique. Contrer celui-là. Là malheureusement il est trop loin, on va attendre de voir comment ça se passe. Mais je pense qu'il va falloir qu'on avance. Parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux en face. On va essayer de tirer sur lui, parfait. Ici on va contourner un peu la foule. Ici on va attendre. Alors Nosborne. Bouclier, bouclier, pas de chance. Ok, il prend des haches, on va donc pouvoir s'avancer. On va avancer jusque là pour empêcher lui de trop foutre la merde. Alors là, malheureusement, je peux rien faire. Qui c'est qui reste à bouger? Il reste lui à bouger, donc on va essayer de bouger après. Ici, on va aller là pour pouvoir être bien placé pour lui taper dessus. Ici on avance, on va commencer à taper sur son bouclier. Du coup on peut avancer ici, et si j'avance ici je peux taper, parfait. Hop là, nickel. Donc là les tireurs vont se faire plaisir. Là quoique il recule, non là ça recharge. Ça tire, ça rate, parfait. Ah lui s'enfuit, c'est nickel. Là ça tire, ça rate. Ici on va recharger. Tenter un tir sur celui-là, vu qu'il a l'air d'avoir envie de s'enfuir. On va essayer de terminer celui-ci. Parfait, ça va foutre un peu la merde dans le moral ennemi. Et lui, du coup... Ouf, putain, c'était tendu. Ici, vu qu'il a juste un petit truc sur la tête, on va essayer de lui taper sur le crâne. Mais on rate. Ah, ça y est, lui, il décide de s'y mettre. Je pense qu'il va falloir qu'on lâche les chiens pour aller...
courir après les corneaux là. Allez, 80% de chance. Ça passe. Là, malheureusement, on va essayer de se débarrasser de lui. Voilà, ça fera un peu de morale. Du coup, lui s'enfuit. Donc, on va avancer par là. On va lâcher le chien de ce côté, dans l'optique qu'il essaie de faire le tour. Ok, il a été collé l'archer, c'est toujours ça de prix. Ici, on va aller charger les gens. Pareil. Monkey. Il y a encore lui à gérer, hein. Attention, ces deux-là sont pas en train de s'enfuir. Là, on va aller profiter de ces petites fougères pour se planquer un peu. Bon, le chien qui s'entraîne. Lui se planque dans les fougères. Ouf. Ouh là là, le Sacramax qui pique sur Geralt là. Alors là, je pense qu'avec nos tirs, ouais, non, c'est beaucoup trop risqué de faire quoi que ce soit. Pareil pour eux. On avance. Hop. Ok, lui il va au couteau sur le clébard. Ici, on va essayer d'avancer pour s'occuper de lui. Parfait. Peut-être avancer encore. Faire le par ici. Alors là, Kiridri, c'est le moment de te venger de tous ces gens qui te tirent dessus. Fais-toi plaisir. Ici, on peut taper là. On va donc le faire. Et aller par ici après. Je pense que le moral devrait commencer à partir bien en sucette. Ah, il saigne lui, merde, c'est qui a notre bandage déjà, faut que je vérifie. Donc déjà c'est pas lui. Donc il va aller par là. C'est toi qui as le bandage. Pourquoi tu ne peux pas? Ah oui, il faut qu'il n'y ait pas de mec au contact. Merde, j'aurais dû le laisser. Tu vas attendre du coup. Avec un peu de bol, on va pouvoir s'en débarrasser. Et du coup, on pourra soigner qui de droit. Ouais non, malheureusement on va pas pouvoir soigner qui de droit, donc tant pis, on va attendre. Attendre que quelqu'un s'en débarrasse, voilà, parfait. Le chien fait le taf, le mec se replie, mais le chien devrait le poursuivre un peu. Nous ici on va essayer d'entraîner un peu, non on va pas user nos munitions. On a déjà largement ce qu'il faut, c'est bon, on a utilisé suffisamment. On va se contenter de charger un peu pour mettre la pression. Ici on va essayer d'envoyer quelqu'un par là-bas pour aider le chien. Donc là par contre un petit bandage ici. Du coup il a suffisamment de vie, il peut charger. Ici on va continuer de venger Kiridri qui continue de se faire taper dessus lamentablement par les archers. Lui accorder cette vengeance, je pense. Il avait quoi en haut? Un arc, un arbalète, je crois. On va le poursuivre. C'est peut-être une arbalète pas lourde qu'il a, donc ça pourrait être intéressant. Vu qu'on a le chien qui est là quand même pour ça, maintenant. Il va avoir un peu de mal normalement à s'en tirer. Il faut bien venger ces pauvres paysans massacrés par des brigands. Voilà, là on se rajoute quelqu'un. Ah parfait, il s'enfuit. Donc il fera plus de miracles maintenant. Chien qui rate. Si on continue d'avancer, on continue d'avancer. On n'a pas assez pour se coller, c'est pas grave. Ici on pourrait toujours lancer des javelines parce que ça pour le coup c'est re-rempli je crois gratuitement. Je crois que je suis même pas sûr mais. Ici on peut taper. Hop. Histoire de lui diminuer un petit peu sa vie. Quand il va essayer de s'enfuir. Et ça fait de l'XP. Parfait. Bon,
Du coup, on a Brand qui prend un niveau, Roland le Vengeur qui prend un niveau, Hérald également, et Ruffin qui prennent des niveaux. Très très bien. Et on a récupéré que des Light Crossbow malheureusement. Tant pis. Il y a un petit peu de truc autour, hein, mais principalement ça. On n'a pas réussi à sauver les marchands. C'est triste pour eux. Alors Geralt, l'ami Geralt, va prendre un petit peu de défense. Il va prendre. Il a déjà pas mal de vie, un peu d'initiative. Et puis bah on va monter ça, même si c'est pas ouf le jet. Et un petit student. Ruffin le gratteur dauphinois. Ah bah oui, mais un petit 3 là, c'est bien, mais c'est pas mal ça. 3 c'est très très bien vu qu'il a pas d'étoile. La résolution c'est pas ouf, on va monter sa vie et sa fatigue. Et au niveau des perks. On pourrait prendre 9 vies, tiens. Allez, on va prendre ça pour changer un peu. On va en faire quelqu'un capable de résister à la mort. Et Brand qui passe level 7, c'est bien joué Brand. Il faut un peu plus de résolution. Et puis quoi, un petit peu de combat aussi, vu que t'es quand même là pour tenir le côté, mine de rien. Alors, Overwhelm. Ouais, ça marche même si on n'est pas en mêlée, hein. Donc ça veut dire que ça, c'est quand même assez intéressant. Et en plus ça stack, ce qui veut dire que ce serait intéressant de lui mettre un arc après, parce que deux tirs avec ça, ça met deux stacks d'Overwhelm. Après il a pas une initiative de fou non plus, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Berserker. À chaque fois qu'on tue un ennemi, on regagne 4 points d'action, ok. 15% de chance de toucher la tête à chaque fois qu'on touche le corps, ok. Donc à chaque fois qu'on touche quelqu'un, on gagne plus 15% de chance de toucher la tête au prochain coup en fait. Nimble, spécialisé en armure légère. Donc plus on porte des armures légères, plus on a de chances que les points de vie qu'on prend sont réduits. Pourquoi pas. Ou alors Battle Forged, on spécialise en armure lourde. Ok. Ah mais j'ai spécialisé en crossbow, donc je peux pas trop lui mettre d'arc. Alors, the defense malus due to being surrounded by opponent, un bof. Ah, ça c'est intéressant pour un archer ça. Pouvoir se barrer sans générer d'attaque en fait particulière. Mais je pense qu'on va quand même prendre ça, parce que c'est une compétence qui est assez de rang 1. Mais vu que l'arbalète a quand même des bonnes chances de faire des dégâts critiques, ça c'est intéressant. Ok, donc du coup on continue notre route. On est bien en dash de munitions. Je crois qu'il me restait. Oui, il me restait Roland aussi à prendre un niveau, bien sûr, Roland. Un peu de défense pour Roland. Un peu de fatigue pour Roland. Non, un peu de défense pour Roland. Il n'a pas de bouclier. Et on va du coup lui prendre aussi de quoi faire des dégâts lourds. Hein, avec sa grosse hache. Il est là pour se venger le mec, pas pour glander. Donc niveau soin on est bien. Niveau réparation on a des trucs à réparer, ça ne change pas. Avec un peu de bol on aura des contrats autres que les sorcières, parce que j'avoue que les sorcières ça me fait vraiment pas rêver. Bon, de toute façon on va arriver à la nuit donc ça va être assez vite vu, mais... Est-ce qu'il y a un contrat déjà? Sinon ça vaut même pas le coup de rester. Ah, encore des enfants disparus. Nanana, my firstborn, blablabla. Non, 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 non. Enfin, à un moment, il va falloir qu'on le fasse, hein, mais franchement, là, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Bon, bah, vu qu'il y a des enfants enlevés, ils nous feront rien de particulier, ça va coûter une blinde, donc on se tire. L'objectif, c'est d'arriver ici pour profiter de leurs flèches. En espérant que ça sera rentable. Il y a des ruines ici, se sont fait raider, même les grandes villes se font raider. Ce sent le caca quand même. Alors, c'est toujours bloqué les contrats. Par contre, il y a des gens à recruter et des choses à acheter.
Des munitions à un prix pas inintéressant. Le sel se vendrait plutôt bien, ça à garder en tête. Au niveau de l'équipement, non, ça va, c'est pas ouf. Ça, ça se vend cher, on va le vendre. Dans une grande ville, je pense que c'est l'idéal. Du coup, on peut se permettre. Ouais, mais ils sont en rebuild ou pas? Non, ils sont pas en rebuild d'effort. Hein. Donc, on va s'acheter quelques outils. Et au niveau du recrutement, on a de nouveau un gambler ici. On va regarder ce qu'il a de beau. Il est déterminé. Par contre, team player. 50%. Attends, il a 50% de chance en moins. Quand il tire, j'imagine, de faire un friendly fire. Pourquoi pas? Ok, donc ça c'est des squires. Un noble et un hunter. Ouais, donc lui en fait ce qu'il fait c'est que je vois pas pourquoi c'est rouge en fait le truc, mais c'est qu'il annonce tout le temps ce qu'il va faire, genre je tire là, ce qui fait que du coup il a moins de chances de blesser ses alliés, mais je vois pas pourquoi c'est rouge, mais du coup c'est pas si mal, on va le prendre. Comme ça on revient à 12, par contre j'imagine que c'est un tireur, non même pas en plus, c'est même pas un tireur, donc on va lui souhaiter la bienvenue, et on va lui filer quelques équipements. D'ailleurs, Gérald, tu vas prendre cette lance plutôt. Bah je crois que tu vas même aller dans le coin là, pour couvrir un peu, du coup. Alors, peut-être qu'un fléau à deux mains direct, c'est un peu abusé. Qu'est-ce qu'on pourrait te donner de beau? Oh, on a une arming sword ici, j'avais pas vu, tiens. Intéressant ça. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est à peu près balancé en attaque à distance et ouais, en Falsag forcément, mais Falsag on peut pas trop le respécialiser maintenant. Alexou il a fripouille éventuellement, pourrait faire un bon javelinier. On va le mettre derrière. On va lui prendre son équipement, on va lui filer ça. Et là on va équiper l'ami Mark Mald avec sa petite lance et un casque potable. Genre ça voilà. Parfait. Ça c'est 70, on s'en fiche. Et toi du coup il te faudrait un truc comme ça. Un bouclier. 95%, parfait. Et tu vas prendre une arming sword. Et une dague. Quoique. Toi tu vas prendre une dague plutôt. Voilà, comme ça on a de chaque côté des gens capables d'utiliser des javelines. Et on a une lance là, un peu plus efficace que la lance de milicien. Et voilà, là on est à peu près fermé du coup, en termes de combat. Ça me plaît bien comme ça. On va peut-être même rechanger un peu cet équipement, voilà. Brand, il va prendre bah, une épée Sacramax, non, il nous faut de la riposte. Un falchion. Falchion ça donne de la riposte. Hein. Falchion ça donne de la riposte. Donc il va prendre un falchion. Et ici du coup, toi aussi tu vas prendre un falchion, Monkey. Et toi c'est pareil Roland, tu vas nous prendre une épée. Comme ça. Si des gens arrivent à percer, ils tombent sur des mecs costauds au corps à corps. Peuvent changer d'arme et qui sont à peu près efficaces. Bon, Monkey est pas central donc c'est pas forcément idéal, mais c'est pas grave. Nos arbalétriers sont bien protégés, l'archer a une très très bonne zone de tir, je pense qu'on est pas mal comme ça. Et eux peuvent harasser avec leur javeline puis avancer pour taper. Ça me va. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Un training hall, non, Fletcher on s'en fout, un web pont smith toujours hors de prix de toute façon ces trucs là, voilà. Les machins. Vache quoi. La Noble Sword ça coûte un bras quand même. Hein. Training Hall, non, on a dit que c'était pas très très intéressant dans notre contexte. Ici on a un peu de tenture.
Ok, des épauliers en métal. Il y a des armures quand même un peu plus efficaces que les nôtres, hein, mais pas tant que ça. Je crois que c'est ça le maximum qu'on a au 120. Il y a mieux, mais bon, c'est vraiment du très très haut niveau, quoi. Au niveau des casques, il y a mieux, en fait, surtout. Au niveau des casques qui améliorent, enfin qui coupent pas la vision, par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup mieux. Ce qui est plutôt cool. Est-ce que le Fletcher là? Ouais, il a des light crossbow. Crossbow, putain, c'est 1000 le crossbow quoi. 4800 le heavy. Besoin d'un tour entier pour recharger quasiment, ok. Bon, les piques, on va les vendre, elles nous servent à rien. Ça aussi, on a mieux. Petit couteau. Une hachette pourrie, on vend, ça on vend. Ça on vend, ça on vend. Ok. Ouais. Bon, tous les trucs de flèches d'ailleurs, on va peut-être en vendre quelques-uns, ça fera de la place. Pareil pour ça. En sachant qu'à terme, ce sera sûrement les arcs qui sont vraiment intéressants parce qu'ils peuvent tirer deux fois par tour. Une fois que nos mecs auront des chances de toucher à peu près potable. Allez, on va se replier chez nos amis, voir si on peut pas avoir des flèches à un prix plus intéressant. Espérons. Même si je suis pas convaincu. Ok, on a la compagnie Tendorn ici. Toujours alliés avec nous, hein, donc c'est cool. Alors, oula, des gens qui disparaissent, il y a une sécheresse, il y a des enfants qui disparaissent. Mais les flèches sont quand même assez intéressantes, on va donc en racheter quelques-unes. Bon, par contre, le reste, c'est même pas la peine. Putain. On a acheté toutes leurs flèches à 114. Ça suffira. Quel contrat? Alors. Donc on a Torlef le Steward qui nous cherche. C'est un truc à trois crânes. Alors, est-ce que vous croyez dans les monstres? Donc on va dire qu'on y croit effectivement. On pense que des monstres sont venus à Attendorn. Nous pensons que c'est pourquoi des personnes disparaissent. Putain, ça fait pas cher. Ouais, on va demander un peu plus parce qu'une quête à trois crânes. On va essayer de la faire, c'est probablement des loups, un truc du genre, mais alors, qu'est-ce qui se passe? On sort de notre tente pour surveiller les hommes. Donc ils sont visiblement nerveux. On a notre sergent qui vient nous voir, je sais ce que vous pensez. Vous pensez que vous avez juste engagé un... Comment? Une grande quantité de viande pour qu'elle se fasse massacrer. Qu'est-ce que vous penseriez que je fouette un peu ces hommes pour qu'ils se bougent le cul? En gros, hein? Je vais à l'essentiel. Alors, est-ce que vous pouvez leur apprendre à se battre? Est-ce que vous pouvez leur apprendre à tirer? Porter des armures? Ou alors, ils ont besoin de garder leur force pour la bataille. On va leur demander de s'occuper des armures. Ok, donc il sent un sifflet, il amène les nouvelles recrues, il regarde autour et il hoche la tête. Allez hop, c'est parti, on va faire une marche. Et donc les vétérans passent le reste de la journée à faire courir les recrues aussi loin qu'ils peuvent, jusqu'à ce que la dernière se tombe d'épuisement. Allez, respirez, petit bébé, respirez. C'est parti. Il y en a encore plein à faire, ne vous sentez pas si mal. Ok, bon, bah, je sais pas ce que ça donne. Donc, ils sont exhausted. Par contre, ils ont gagné de la fatigue. Alors, qu'est-ce que ça fait, exhausted? Moins 40% max fatigue. Waouh! Ah ouais, c'est quand même la violence. Juste avant un combat difficile, je sens qu'on va être bien.
Bon, on va déjà aller tâter un peu du terrain. Alors, ok, donc on a notre ambition, il nous reste plus qu'à essayer de choper. On a 11 Direwolves quand même. Tu vas pas venir nous aider, toi? Merde, ils nous ont rattrapés. On est dans la forêt du coup, ça va peut-être les gêner un peu, c'est la bonne nouvelle. Ça va peut-être nous gêner un peu nous aussi, c'est la mauvaise nouvelle. Ah putain, d'accord, ok, ils me rattrapent cash. J'avais pas vu ça comme ça. C'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Putain, ils sont en hauteur et tout. Hein. Oh là là. Oh la vache. Ils sont partout. D'accord, donc ne jamais s'enfuir. Je me souviendrai. Oh là 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 là, le drame absolu. Ok, bon bah on va passer directement aux choses sérieuses et tirer dans le tas. False Hag, putain, il peut juste rien faire quoi. Ils sont complètement bloqués. Bah du coup tu vas attendre. Magic Droops, bah t'es un peu dans la merde. Du coup tu vas prendre ça et puis bah faire un truc de ce genre là. Ici on est au contact avec Trigal complètement à l'arrache. On va tenter de tirer. Puis du coup on va prendre une épée. On va se mettre en riposte et tenter que ça passe. Alors ici, putain, même ici les gens sont devant quoi. Oh là là, le drame. Tant pis, on va essayer d'aller s'occuper de lui et on se rate, sinon c'est pas drôle. Là au moins on arrive à mettre quelques coups. S'il faut absolument qu'on aille filer un coup de main. Ici, on peut peut-être tirer sur celui-là. 38% de chance avec Alexouille. On arrive à mettre un coup. Ici on se rate, on va sortir le clébard parce qu'il faut du renfort là. Attends, t'es dans le mal, tu vas sortir ton bouclier direct. Et te rater, parce que sinon c'est pas drôle. Ouais, ici, on va essayer d'aller par là-bas, se débarrasser de lui. Oh là là, c'est la merde. On va essayer d'aller filer un coup de main là-bas. Falseag est toujours coincé. Ouais, Trigal, il faudrait qu'il arrive à se dégager, mais ça va être compliqué. Ouais, j'aurais peut-être dû utiliser la rotation de Nosborne là, mais. Tant pis. Rien faire de toute façon, il y a moyen qu'on puisse passer par là, donc on va essayer d'avancer par ici. Ouais, après la riposte, pour que ça marche, faut qu'il loupe. Au moins, ils peuvent pas trop se stacker contre nous parce qu'ils sont aussi bloqués. Mais c'est ici que ça me fait peur. Là en hauteur, sans quand même le pâté. Plus ils ont tellement d'actions ces enfoirés. Aïe aïe, ça pique. Ok, le bouclier fait le taf pour l'instant. Le chien lui par contre n'arrive à rien. Lui va crever, c'est pas la peine de s'emmerder. Raté, dommage. Ici on va se remettre en riposte et on va quand même tenter de mettre un coup. Ici on se remet en riposte et on va tenter de mettre un coup, ça passe. Ici, il faut qu'on arrive à se débarrasser de lui. Raté. Bah ici on va mettre un coup là et un coup là, ça jouera sur le moral. Alors ici, je peux faire une rotation avec lui. Et faire un truc comme ça, qui était pas vraiment ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Hop, on va prendre l'épée. Je voulais le repousser, je me suis encore gouré de combes, c'est pas grave. Là, on tape sur sa tête, et on se rate. Ici, on va les cerner un peu. Toi. Tire et rate. Tire et rate, ok, très très bien. Donc ici, on est au contact, donc c'est pas idéal. On va peut-être prendre l'épée, on peut pas, dommage. Ici, on va ressortir le bouclier parce qu'il a bien fait le taf. On va essayer de laminer un peu les saloperies. Là, on a lui qui est au contact, qu'on rate.
Ah là, Magic Drops qui prend tellement cher. Ah, il se déplace tellement vite, quoi. Et là, il a pas de bouclier, hein, Roland, donc c'est compliqué. Là, il y a quelqu'un qui arrive derrière Geralt. Putain, et le chien, il faut qu'il arrive à toucher, là. Pareil, toi, faut que t'arrives à mettre des coups, faut que vous fassiez des trucs, les gens, parce que... Oh non, il a réussi à mettre un coup à Magic Drops. Tape. On tape. Là, on a une chance de buter celui-là, on va essayer, parfait, lui s'enfuit. On va essayer de... Voilà, les deux là s'enfuient, c'est nickel. Essayer de les diminuer encore un peu. Ici, on va se rater, parce que c'est pas drôle. 39% de chance, non, c'est chaud. Oh là là, on rate. Oh, allez! Les gens, quoi. J'ai l'impression que des fois, vous voulez vraiment mourir, hein. Ok, mais ici, on va essayer de diminuer celui-là, et... putain, c'est complètement bloqué, le chemin, quoi. Essayer de retourner par là-bas, du coup. Là, on arrive à mettre un coup, et c'est tout, parce que sinon c'est pas drôle. Donc lui s'enfuit, c'est parfait. Si on pouvait essayer de taper sur lui, ça ferait un peu le taf. Aïe aïe, l'armure qui tombe là. Allez, taper sur le chien, il est là pour ça. Non, non, non. Aïe 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 aïe. C'est la violence. Tape en haut, le bouclier prend un peu de dégâts. Waouh, c'est chaud. Ah, le chien qui arrive à toucher personne non plus, quoi. C'est tellement tendu. Là, j'imagine que je peux pas tirer. Ouais, il est devant. On avance. On lui met un carreau dans les fesses. Hop, voilà. Allez, c'est bon. Le moral commence à tomber doucement. Là, faut qu'on se débarrasse de lui. S'il arrive à s'enfuir, il va foutre la merde. Pareil ici. Là, Nosborne, faut que tu fasses des trucs là. Voilà, parfait. Alors lui, il n'a plus de munitions et il est coincé comme un con. Avec une épée qui ne lui sert à rien. C'est bien triste. Là, Roland, Roland, il est dans le mal, hein. 38% de chance, 41% de chance. Pour tenter de taper sur lui, il est à deux cases, donc c'est là qu'on a le plus de bonus. Malheureusement, j'ai peur qu'on ne puisse pas. On a toujours, on a 58% de chance avec ça aussi. Hein. Attends, c'est bon les gens, 15 de temps. Oh là là. Oh là là, mais c'est dingue. Là, il s'enfuit, donc on peut reculer. Déjà, on sauve Trigal. Peut-être reprendre et tenter un tir. Non, faut qu'il recharge malheureusement. Ici, on va continuer de taper sur celui-là. Donc là, il s'enfuit, parfait. Lui a réussi à s'enfuir, et ben on fera avec. Là, par contre, c'est chaud pour Roland, ouais. Oh là là. Cette bataille, je l'ai vraiment pas vu venir là. Je pensais pas que ça serait complètement le bordel comme ça. Là, on a perdu trop de personnes pour des conneries, je pense qu'on va la refaire. Hein. Putain, ça y est, le chien s'y met enfin. On va voir ce que ça donnera à la fin de la bataille, mais à mon avis, on va pas perdre des mecs comme ça sur un rattrapage aussi naze. Allez, en avant. Finissez-les. Bah toi, écoute, tu vas aller là. Ici, 70% de chance, on se rate. Enfin, on touche, mais l'armure. Là, 90% de chance, on se rate.
C'est ouf hein, quand les mecs ils ont décidé de faire de la merde, ils font pas semblant quoi. Ok, ça c'est fait. Bon, on peut pas bouger. Ici, est-ce qu'à un moment tu vas réussir à toucher Falsag? Non. Parce que c'est pas drôle. Ah, lui revient du coup. On a bien fait de grimper. Ah, le chien va se faire défoncer. Ok, il a réussi à éviter les coups. Le chien par contre il fait pas beaucoup mieux hein. Ici bon, on va revenir comme on peut. Peut-être qu'ici on peut y aller, non. Bah là c'est pareil, on va essayer de revenir. Ok, donc là on va s'occuper de ce loup, nickel. Là on peut pas faire du miracle, on est coincé, ok très bien. Parfait, là on arrive à le faire s'enfuir, mais on peut plus bouger. On va donc essayer de le tuer, raté. Ok, parfait, tout le monde s'enfuit. Joie et bonne humeur. Comme dirait l'autre. Ça va se passer un peu dans le dos. It's over, c'est bon. On a donc Roland, ah là là, qui prend un Missing Eye. Bon, c'est pas super grave dans le contexte, mais on a Magic Drop qui est mort. À cause d'un mouvement bien pourri. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Surtout qu'il y avait eux à côté qui pouvaient nous aider, quoi, mais. Ah, mais ils avaient déjà un contrat. Peut-être pour ça qu'ils ont pas voulu. Oh, c'est triste. C'est triste, c'est triste. On a perdu Magic Drops, quoi. Bah, du coup, je pense qu'on va refaire cette bataille de manière à être un peu moins pris par surprise. Je pensais pas que. S'ils me rattrapaient, ça faisait ça. Moi, quand je les chope, les mecs, jamais j'arrive autour d'eux et que c'est la fête, quoi. Donc, on va refaire, je pense, cette bataille, mais on le fera lors du prochain épisode. N'hésitez pas, en tout cas, à me laisser un petit j'aime si ça vous a plu. À pleurer le corps de Magic Drops, hein, si vous pleurez sa perte. Et on se dit, du coup, à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous!